Marc. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Véville. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que on va déplacer nos héros chez les Toadies et les Froggies, si j'arrive à les retrouver. Voilà, maintenant c'est le gros problème, puisqu'il me semble qu'il y en avait quelques-uns par ici. Ah là, il y en a un ici. Patrol Point, voilà. On va mettre un deuxième patrouilleur pour voir si j'arrive à trouver d'autres Froggies et Toadies. Il y en a un ici, donc ajouter un point de patrouille à Gloriana. Et donc on va voir si ça donne arrive. Voilà. Alors ajouter un point de patrouille à ça donne. Retirer celui-ci. Et il va patrouiller ailleurs puisque j'ai fatalement oublié de lui enlever un de ses points de patrouille ici. Voilà. Retirer ce point de patrouille. Donc normalement ça donne Gloriana a déboîté le Froggy. Donc il faut que je retrouve où j'ai mis son point de patrouille précédemment. Ici, donc je vais supprimer son point de patrouille. Voilà. Alors est-ce qu'il y en a d'autres quelque part? Ah, par contre j'ai perdu sa donne. Ah non, le voilà, il remonte. Oh, mais c'est très bien ici, du cuivre. Je n'avais pas fait plus attention que ça que j'en avais. Et en même temps, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons retirer la boue. Et oui, c'est un épisode absolument passionnant, et vous avez vu aussi que il n'y a pas zigote aujourd'hui. Donc effectivement, hein, c'est... Il va sûrement revenir, hein. Je pense que il ne va pas trop avoir le choix non plus. Et comme ça, je pense que de temps en temps, je ferai des épisodes avec des amis et des guest stars dans la Véville. Donc aujourd'hui, on détruit un peu de boue. Ah mais ça c'est pas... Ah bah si, c'est très bien. J'ai un soldat qui est venu avec sa tarte. Bravo. Alors Terrowin Legrass est ici. Alors est-ce que j'ai retiré le point de patrouille de Sadon? Il y a des chances. Ah non, il est peut-être mort puisque je ne le... Ah oui, bah il est mort. Effectivement. Eh bien, je vais préparer des nouvelles tombes. Donc, c'était dans les décorations extérieures, tombes. Eh bien, on va continuer le cimetière ici pour quand on va avoir des nouveaux corps. Et donc, Gloriana va se faire un plaisir de déboîter le Froggies. Et ce qui me rappelle que quelqu'un m'avait prévenu que j'avais mis effectivement une boîte à pharmacie juste devant une entrée de l'hôpital. Alors, retirer la boue. Voilà. Non, pas retirer le personnel room. Et comme ça, je vais augmenter un petit peu la désirabilité de mes petites chambres. Et plus tard, on ira miner du caillou et on leur fera des vrais jolis murs avec des vraies portes dans leur chambre. En même temps, les vraies portes, on peut les mettre tout de suite. Si je retrouve où c'est, non, ce n'est pas là-dedans. C'est dans non, ce n'est pas du tout dans building. C'est... Non, je ne veux pas mettre un wood detailer. Non, c'est dans furniture. Alors, une porte chacun. Enfin, presque chacun. Hop. Bon, il y en a deux qui ne vont pas présentement avoir de porte. Mais ce n'est pas grave. Et voilà, on va même mettre une petite porte de chaque côté de l'hôpital. Une petite porte ici. Une petite porte là. Et voilà.
une petite statue. Donc c'est parfait. Ah. Pas content, pas content, content. Bon. Alors dans tout ça, il faut que je supprime le point de patrouille d'ici. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des froggies et des toadies? Ben ici. Ça n'a pas l'air. Bon, je suis quasiment certain que je ne les ai pas tous tués. Hein. Ça, c'est évident. Je vais en retrouver encore pendant quelques temps. Mais c'est pas grave. Par contre, ce que je vais pouvoir faire, c'est planter. Ah bah ici c'est très bien, j'ai de l'humus. Je ne sais pas ce que je voulais faire dessus, mais je vais planter des bananiers. Ah, il faut que je mette de l'humus dans la jungle. Bon bah c'est moins pratique, donc on va planter du blé. Hop. Voilà. Et on va en profiter pour faire un petit moulin. Je peux pas le mettre ici. Ah. Là, non, 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 non. Oui, mais j'ai pas envie de le mettre là. Bon, c'est pas grave, on va quand même le mettre là. Et donc, on retourne. Eh bien, dis donc, la fabrication de portes est plutôt extrêmement rapide aujourd'hui. Alors, retirer de la boue, retirer de la boue. Je passe ma vie à retirer de la boue. Alors, voilà, donc maintenant, Brunhild Kruer a une chambre sans boum. Et je voulais aussi regarder, est-ce que je peux mettre de la route sous terre? Oui, donc je vais pouvoir faire des trucs jolis aussi sous terre. D'ailleurs, pour ça, on va commencer à attaquer... Ah non, il y a un peu de cailloux ici, mais on va commencer à attaquer un peu ici. Ah. Oh, problème de nourriture, ça voudrait-il dire que je suis en... Non, pourtant je ne suis pas... Ah, si, je suis un... Je suis un peu en famine, effectivement. Ah là 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 là. Bon, nous avons un problème, et quand nous avons un problème, nous réagissons en cueillant des fruits. Ah, bon, bah j'ai... Ah bah oui, il y a encore un froggies. Allez-y, mes gentils soldats, déboîtez les froggies. C'est très bien. Donc moi qui pensais qu'il n'y en avait plus, en fait, ils se sont bien répartis partout sur la carte. Et c'est pas super sympa de leur part. Donc bon. Ils tuent mes vitoyens, mes héros partent parce que là, c'est la famine. Et il y a un siège. Que du bonheur. On va remettre le jeu. J'aurais pu vous faire un cliffhanger et mettre en pause, mais on va remettre. Alors, où est ce siège? Effectivement, il y a un toadies et un siège. Ce n'est pas extraordinaire du tout. Et Maria Care vient d'arriver. Alors, patrouille. Patrouille. Et allez, superviseur. Donc avec 4 soldats, ça risque d'être assez marrant de se faire le siège. Alors pourquoi je ne peux en mettre que 2, bon, c'est... Je crois que je les ai vus un petit peu courts. Bon. On a un petit problème.
on a un gros problème. Bon. Je pense qu'on va jouer... Hop. Non, c'est vrai qu'il faut que je leur fasse une petite cuvette. Alors, lower terrain. Bon, j'aime pas faire ça. Mais là, on n'a pas trop le choix. Sinon, on va avoir un gros problème. On va voir si... Eh bien, ça n'a même pas marché. Ça va être problématique. C'est vrai que j'aurais dû gérer ça sur le bord de la carte si je voulais le faire à la lave. Hop, on remet ça à la bonne hauteur. Non. The rise, pas lower. En plus, c'est sensible au coin qu'on clique. Bon. Nous avons un problème. Il reste 3 soldats, dont 2 qui Malkin. Voilà. Et toi, patrouille ici. Bon. Allez, on va chercher un vitoyen, 1800 points de vie, 1800, oui, pas beaucoup, oui, pas beaucoup non plus, elle. Bon, tous mes vitoyens ont bobo. Alors, ça c'est un héros. Allez, convertir en soldat, auto-équipé, on relance. Alors lui, voilà. Elle, elle va mourir. Voilà. Elle va mourir aussi. Bon, il reste combien d'araignées dans tout ça ? Beaucoup trop. Bon. Allez, on retente un petit coup de lave. Et si... Et puis, dans tous les cas... Nous allons faire un petit cliffhanger là-dessus, je pense. Hop, 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 hop. Ta-ta-ta-tam. Non, je ne voulais pas mettre. D'ailleurs, j'ai supprimé ce patrol point, sinon elle serait capable de s'envoyer dans la lave. Je ne peux pas, c'est très pratique. Allez. Bon,
Eh bien, on va se laisser là pour aujourd'hui et on se reprendra demain pour voir où en est la Véville.